Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'exercice indispensable avant de faire du bench press ou du développé couché pour les francophones. C'est parti. Du coup, le développé couché, la plupart du temps, vous venez chercher beaucoup d'amplitude, les powerlifters, vous venez prendre très large en plus, donc il y a beaucoup de tension sur le pec. C'est pas un problème, mais ce qui est important de comprendre dans ces concepts de capacité au niveau des tissus, c'est que dans cette amplitude-là, il n'y a pas que le pec qui est tiré, il y a aussi les rotateurs externes et les abducteurs horizontaux qui sont en position raccourcie à l'inverse. Et s'ils ne sont pas capables de se contracter dans cette position, bah ça crée un déficit de stabilité au niveau de l'épaule. Vous n'allez pas vous luxer, évidemment, mais c'est de la micro-instabilité qui crée bah, forcément un petit peu d'irritabilité au niveau euh, de cette articulation-là. C'est important, du coup, d'avoir la capacité à étirer le pec, évidemment, mais c'est aussi important d'avoir la capacité à contracter ces tissus postérieure dans cette position. Quelque chose qu'on oublie bien souvent. On fait des bandes poules à part, là on tire sur le côté mais ça change pas grand chose. On n'informe pas le cerveau sur la position articulaire et sa capacité à être stable. Donc c'est un exercice qui est clé pour ça, qui est une mise en tension un peu spécifique en abduction horizontale. Simon il va rester sur le ventre, il va mettre sa main plutôt tendue ici, en Position neutre, vous pouvez vous mettre en rotation externe si vous voulez, mais en position neutre, ça va le faire. Et dans cette position, il va rester à peu près une minute, voilà, pour qu'il y ait un petit étirement, il faut que ça lui tire un petit peu le pec, mais pas méchant, méchant non plus. Si jamais vous voulez être un peu plus spécifique à votre position au bench, vous pouvez baisser un petit peu la main, parce que forcément, on n'est pas comme ça, on est toujours un petit peu plus bas. Une fois que la minute est passée, Simon, il va écraser progressivement le sol avec sa main, comme s'il voulait pousser sa main vers l'avant. Ce qu'on va faire, c'est 10 secondes à 20% de notre force max, 10 secondes à 40%, 10 secondes à 60, 10 secondes à 40%. 80, puis 10 secondes à 100%, on va passer direct dessus, t'appuies à fond, allez tu forces contre le sol, allez, écrase, écrase, écrase écrase, écrase, et là on va faire complètement l'inverse, il va rester super stable à ce niveau là et il va décoller la main le plus loin possible pour essayer de gagner de l'amplitude là et apprendre à ces tissus postérieurs ici à se contracter et à ces tissus antérieurs ici à tolérer l'étirement dans cette position. A vous de le faire de manière un peu plus spécifique au bench avec une barre si vous voulez mais c'est vraiment un exercice qui est quasi indispensable pour s'échauffer pour le bench. Si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à la liker à la partager et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Salut les amis.